Bonjour les Itata, bienvenue dans votre émission Coûtez ça. La jam au cœur de l'événement jazz afro-caribéen revient, plus connu sous le nom de Jazz en Batol, pour sa première édition de la saison 2023-2024. Et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir l'organisateur de l'événement, Monsieur Joachim Desormeaux. Bonjour Monsieur Desormeaux. Bonjour Joachim. Bonjour Astrid. Comment vas-tu? Tout va bien, on est là, on est revient, on est en forme, je suis arrivé la semaine dernière pour retrouver mes collaborateurs qui organisent également avec moi, qui sont sur place, hein, parce que je ne suis pas le seul, avec le président de l'association Jam Dover, qui s'appelle M. Patrick Suffren. Donc, je l'ai rejoint pour pouvoir organiser, mettre en place les choses. Ce qui arrive le 11 novembre. Exactement. Alors, Jazz en Battle est porté par l'association Jam Dover. Est-ce Jam que tu Dover, peux oui. présenter cette association Alors, rapidement L'association Jam Dover, c'est une association qui se veut dans une dynamique d'ingénierie sur des projets qui vise à aller chercher un public éloigné de ce format musical. Donc, quand je dis le public éloigné, c'est des gens qui n'ont pas forcément, ou alors qui ont peur du non-jazz. Ça, c'est le public en général. Mais l'idée pour nous, c'est de porter des projets sociaux au sein des quartiers, quartiers difficiles. Et il y a ce volet-là où on essaye donc de créer une dynamique pour aller chercher les jeunes de ces quartiers, leur caractère artistique, leur don, leurs possibilités, leurs grandes envies, aller un petit peu œuvrer dans cette démarche-là. Donc ça, c'est un volet de Jam Dover. Bon, c'est un peu compliqué, mais on ne va pas rentrer dans le détail. Mais aujourd'hui, effectivement, le caractère principal et ce que nous venons présenter, c'est Jazz en Battle, où on veut donc casser la distance entre le public plus éloigné de ce type de musique et nous-mêmes sur scène et les artistes qui y sont conviés. Autour donc d'une rencontre pluri-artistique. Donc alors ça, ce type de musique, on parle du jazz. Oui. Pourquoi avoir choisi le jazz? Pourquoi pas le reggae, le raga, le zouk? Alors, la problématique du jazz, c'est que quand on dit jazz, tout de suite, on imagine un peu le caractère feutré d'un club, de salon, alors que c'est pas du tout élitiste en fait. Et pourquoi jazz afro-caribéen? C'est que nous avons cette musique aujourd'hui. Si on me demande, alors que je fais du jazz afro-caribéen, si on me demande quel type de musique que je fais, je dis que je fais de la musique martiniquaise. Même si je travaille avec des Guadeloupéens, je fais de la musique guadeloupéenne. C'est la musique, c'est ce qu'on peut définir, c'est ce qui colle le plus à notre identité, parce qu'on travaille au rythme, au départ de rythme traditionnel, avec une certaine modernité, une ouverture, mais c'est la musique de chez nous en fait. Vous trouvez qu'elle est accessible à tous? On veut la rendre accessible à tous. Elle est tout à fait accessible à tous parce que quand on vient, quand on prend le temps de l'écouter, on se dit mais c'est musique boka inogi là, vois-tu? Mais allez-y. Oui, oui, vas-y, je t'en prie. Pourquoi on l'entend si peu alors dans les radios si alors, c'est à nous? Ah ben tu travailles dans les médias, tu connais la problématique des médias. C'est pas bankable. C'est pas la musique qui va. Voilà, les radios sont plutôt sur des formats, en tout cas certains médias, en tout cas ceux qui ont le plus grand rayonnement, sont sur une autre démarche. Ils peuvent faire encore des musiques qui sont plus écoutées par le plus grand nombre. Après, c'est eux qui ont le devoir d'éduquer le peuple. Si tu ne donnes pas au peuple la musique de qualité auquel il a droit pour pouvoir ne serait-ce qu'éduquer son oreille, on ne va pas faire avancer les choses. L'auditeur ne sera pas mieux formé à la propre musique de chez lui et l'artiste qui consent à rester chez lui pour faire valoir son art n'est pas plus écouté. Mais il y croit quand même. Nous, on y croit. On est Jam Dover, c'est une association qui croit qu'effectivement, nous avons des valeurs des musiciens d'excellentes factures en Martinique et qu'il est temps effectivement de décloisonner les choses de façon à ramener le public proche de ces artistes-là, de ces musiciens. L'idée, c'est de faire venir les forces vives de l'extérieur, les mettre au centre de cet événement, faire mettre autour des musiciens qui sont sur place et qui revendiquent de travailler chez eux, et puis amener le public à dire, tiens, voilà, il y a des choses qui se passent, il y a des choses que vous devez écouter, vous devez prendre conscience de cela, et être en même temps dans la transmission, parce qu'il faut ramener les enfants. Il faut ramener les enfants. Et qu'on voit les gardens, par exemple, certaines gardens ou certains événements qui se passent l'après-midi, en général, les enfants, on les laisse chez mamie, chez tati, enfin bref. C'est pas, au contraire, pas mal intimement, quoi. Tandis que là, cet événement-là, il faut ramener les enfants parce que le lieu s'y prête, le jardin de Monique, donc il y a des espaces de jeu. Et puis ce qu'on va diffuser, ce que vous allez les mettre dans les oreilles de vos enfants, ça va être ce qui se fait de meilleur chez nous en Martinique, quoi. Par les artistes qui y sont.
Alors, je vois aussi que tu es référent artistique pédagogique. Ça sous-entend que Jam Dover va sur chantier de formation. Oui, comme je t'ai dit au début de la définition de Jam Dover, on a ce volet où on veut aller dans les quartiers difficiles. Moi, je suis issu de quartiers difficiles. Donc, je sais à peu près que les politiques ne vont pas s'asseoir à côté des jeunes pour pouvoir leur parler. Quoi. Et si vous voulez, entre-temps, ceux qui font les agents de médiation, ça, on n'a pas trop. Quoi. C'est quasiment inexistant. Donc il faudrait effectivement être dans une logique d'approche par rapport à ces quartiers difficiles. Ce n'est pas en étant loin d'eux qu'on va trouver une solution. Je crois qu'il faut aller dans ces quartiers-là et faire de ces jeunes-là qui ont l'air, mais qui sont peut-être plus éduqués que ceux qui n'ont pas l'air, leur faire confiance et leur dire que bon, voilà, il y a des choses qui peuvent se faire. Et il y a sur 20, vous allez trouver deux forces vives. Et ces forces vives-là, elles méritent qu'on fasse le déplacement pour eux, ils méritent qu'on mette en place des choses pour eux avec un vrai accompagnement. Ce n'est pas la peine d'ouvrir des studios pour ouvrir des studios de répétition si à l'entrée et au milieu et en sortie, sur ce qu'ils sont capables de produire, vous ne leur donnez pas une ouverture et les outils nécessaires pour pouvoir diffuser cela. Je veux dire que bon, c'est investir dans les murs et dans la pierre et ça n'a pas de sens. Donc, si tu veux, quand j'ai des référents pédagogiques, ça, c'est un peu pompeux. Mais ça veut dire que moi, je suis capable d'aller m'asseoir dans le bendo, comme on dit, pour pouvoir aller trouver des jeunes qui ont véritablement envie de qu'on les écoute et puis qui ont des choses à dire, de toute façon. Alors, c'est quoi le projet? Aller trouver des jeunes et les inciter à toucher au métier de la musique oui, et du son? Oui, parce qu'il y a tout. Il y a tout autour dans les métiers de la musique. Il y a tout. Ils peuvent démonter un câble, démonter une scène. Voilà, il y a de la photo, il y a de la prise de son. Il y a pas mal de choses quoi, possibles. Ça changerait de focaliser sur tout ce qui est espace vert ou autre, mais se dire qu'on a toute la gestion, par exemple, toute la gestion qu'il peut y avoir autour d'un événement. De la mise en place d'un événement. De la mise en place d'un événement. Après, on peut trouver des certifications de formation. Pourquoi, effectivement, on revient à l'aspect pédagogique. On peut trouver des certifications de formation. Un jeune qui est là toute la journée, il fait une semaine, deux semaines de stage, vous lui donnez un bout de papier comme quoi il est capable de dire qu'il a fait ça, il va se sentir... Il va se sentir fier, il va se sentir valorisé. On ne va pas le regarder de haut, on va se dire, tiens, même si, bon, en vrai, bon, voilà, mais ça peut créer une étincelle chez lui et de lui donner l'envie d'aller faire autre chose. Et puis ces jeunes-là, nous en avons besoin, de toute façon. Nous, dans ce qu'on est en train de faire Jazz en Battle, sur Jazz en Battle ou même dans plus loin dans ce qu'on veut faire avec Jam Dover, ils ont complètement leur place. On a besoin de force. Plus loin, ça serait quoi, une sorte de chantier d'insertion ou oui, ça prendra quelle forme? En tout cas, on va rester sur le domaine musical. L'idée, c'est effectivement d'avoir une structure où on est capable effectivement de les mettre à travailler. Donc, si c'est de la musique, et en bout de chaîne, aller sur des plateformes de diffusion, créer peut-être notre propre espace de diffusion de musique afro-caribéenne et aller avoir la prétention d'aller sur les réseaux, parce que maintenant, tout se passe sur les réseaux. Exact. Donc, ça veut dire qu'on est d'ici capable d'aller n'importe où dans le monde. Après, il faut y aller avec un certain savoir-faire, avec une application, le côté bon qu'on s'en nous parlait ça. C'est pour ça qu'effectivement, sur le projet Jazz en Battle, les deux parrains que nous avons, c'est Thierry Vatton et Arnaud Dolmen, on va suivre des personnes qui sont assez précises. Ils ont déjà une pointure musicale. Et puis qui sont très, très précises dans ce qu'ils veulent faire, quoi, en fait. C'est d'ailleurs parce qu'ils sont précis dans ce qu'ils font qu'ils en sont là où ils sont. Donc, on avance non seulement avec ces personnes, pas tant parce qu'ils ont la notoriété, mais c'est qu'ils ont une façon, une précision qu'ils veulent mettre en place qui est inhérente à leur personne. Donc on D'accord. est dans cette veine-là. Et Jazz en Battle, les musiciens qui sont là sont tout de suite avec quelqu'un comme Thierry Vatton, ils sont tout de suite dans quelque chose où c'est... Où le cadre est posé. C'est carré, quoi. En fait, ça se veut carré. Après, c'est ouvert, mais ça se veut tout de suite dans une autre façon de travailler. Dans un quoi. Autre niveau. En tout cas, il y a eu déjà deux premières dates, donc au oui. Jardin de Monique, toujours. Oui. Quelles sont les leçons que vous tirez de ces deux premières dates pour en faire une, pour faire maintenant la première édition de l'année 2023-2024? Alors, les deux premières dates, c'est comme pour nous, ça a été deux pilotes, quoi, en fait. C'est-à-dire qu'entre le moment où vous avez dit, tiens, on va faire ça, entre le moment où... Il y a toujours des moments où vous allez déjà vérifier la faisabilité. Après que vous avez un petit retour du public, bon, le premier pilote, on s'était mangé un temps, bon, voilà, je passe les détails. Le deuxième, on a eu une adhésion du public, on s'est rendu compte un petit peu, ah ouais, ça c'est... Mais il faut amener, affiner au fur et à mesure pour pouvoir définir une saison. Donc là, on est parti sur la première saison, même s'il y a déjà eu deux éditions. Mm-hmm.
Mais là, on part sur la première saison, donc 2023-2024, okay. avec cette première date le 11 novembre, mm-hmm. et puis deux dates à venir en 2024. Après aussi, il y a la dynamique de partenaires à aller chercher, parce que ça nécessite des moyens. Bien sûr. Donc justement, je lance un appel, parce que je crois qu'on va avoir un rayonnement de plus en plus important, j'espère en tout cas, et parce qu'il y a une adhésion de plus en plus importante du public, et on veut amener une autre offre artistique aussi. Donc, une façon différente de penser également au festival de jazz. Donc, on est sur quelque chose, plutôt que de faire un événement sur trois jours où c'est v'là l'usine à gaz, nous, on préfère effectivement être sur quelque chose sur l'année. Et donc, on lance un appel aux partenaires qui ne sont pas encore là, qui ont envie d'être là, parce qu'effectivement, ça nécessite des moyens, ça nécessite des besoins, et que notre rayonnement va contribuer à le leur aussi. – Tout à fait. Alors, dans cette nouvelle saison, dans ce nouveau rendez-vous, il y a trois rendez-vous dans la nouvelle saison, dont deux oui. masterclass. Est-ce que vous pouvez parler de la alors, les masterclass, de la masterclass ?– Alors, les masterclass, si tu veux, on en parlera sur la prochaine édition, d'accord. parce que nous sommes complètement dans une autre démarche sur les masterclass. Pour l'instant, il y a des choses qui sont dans les tuyaux, mm-hmm. mais on ne va pas en parler pour l'instant. On aura le temps d'y revenir parce qu'on pense faire quelque chose d'assez grandiose notamment pour les enfants, avoir vraiment une démarche pour les enfants. Mais ça fera l'objet de notre, très bien. De notre débat. Alors, le rendez-vous du 11 novembre, est-ce qu'on peut en parler? C'est un oui. rendez-vous hybride qui commence à 15h, qui finit à 22h. Oui. Il y a de la danse, il y a des exposants, il y a de la peinture, ah, il y a une jam. Alors, ben, le rendez-vous du 11 novembre, donc Thierry Vatt, on va encore revenir, d'accord, donc pour pouvoir, dans un premier set, donc, présenter son album. Il y a des compositions également que j'ai communes avec lui. Le deuxième set, nous aurons les invités, donc qui sont Kelly Apollin, qui est revenu depuis peu en Martinique, et puis qui présente son travail. Donc, j'ai eu l'occasion je l'ai connu plutôt sur les réseaux, oui. et d'échanger avec elle, parce que nous étions sur un titre commun, Pays Moins Jeudi, où nous avons eu deux angles qui nous étaient tout à fait personnels. Et cette approche-là, on se l'est échangé. Donc, ça me paraissait tout à fait normal de l'inviter également à présenter son univers. Et puis, Wilfried Bédassier. Alors, il y a Wilfried Bédassier qui a sorti depuis peu son album et que j'avais été voir son concert à Paris. Donc, ça me paraissait assez évident également qu'on a ces personnes-là qu'on a l'habitude de voir sur des projets d'autres, mais qu'il faut un travail personnel aussi et qu'il faut valoriser, qu'il faut mettre bien en avant, sûr. Que les gens sachent également que ça existe. On revient à la problématique des médias, dire que bon, voilà, on ne passe pas forcément cette musique-là, mais il est important que sur certains événements, on dise que oui, ces gens-là, ils font ça aussi. – Et puis, il y a un troisième set. – Et puis, il y a un troisième set où là, effectivement, c'est complètement ouvert au public, d'accord, où ceux qui veulent partager la scène avec ces musiciens-là ou bien d'autres peuvent le faire. Alors, venez de façon structurée, de façon… C'est autres qui finissent bien quand même. – Est-ce que les personnes qui décident d'être volontaires sont obligatoirement obligées de présenter quelque chose dans le jazz caribéen ou peuvent venir librement ?– Ça peut être complètement spontané. Moi, la jam, moi, ma vision de la jam, c'est qu'on n'est pas obligé d'aller sur une structure précise de morceaux. On peut être complètement dans une spontanéité. – Ça peut se créer sur l'événement aussi. – C'est one shot, quoi. Okay, c'est one bien. Shot, c'est complètement ouvert là-dessus, quoi. Et puis ça, c'est la seule sur le troisième set, donc, qui va tourner comme ça, sur le caractère one shot. Il y a également, tout au long donc, de ces trois sets-là de l'événement, il y a aussi un apnée de peinture mm-hmm. avec El Gaïel Lassource, qui, elle aussi, a cette fibre de la jam à travers les pinceaux et va inviter, le public sera fortement encouragé à donner ses émotions, délivrer ses émotions, son ressenti. Voilà, donc même si on ne chante pas, mais il y a toujours la possibilité d'exprimer l'ensemble des ressentis avec des couleurs. Donc ça va avoir cet espace apnée de peinture qui est mené par Elga Lassource. Et puis, il y aura également une démonstration de danse moderne, jazz et urbaine. Donc par des danseurs indépendants qui font partie de l'association Jam Dover et donc ils vont comme ça au gré de ce qui se passe présenter des tableaux et qui vont aller vers l'expression corporelle et le ressenti également spontané de ce qui va se passer. Ok, quoi. Très bien. Donc, voilà. Joachim, l'émission touche à sa fin. Aïe, déjà. Donc on se laisse avec une belle.
avec une très belle affiche faite par l'association Maki Moncrane, qui est vraiment très jolie. Alors, je tiens à dire rapidement qu'il y aura des exposants, donc qu'il y aura de présentations. Un petit village. Un petit village, mm-hmm. Il y aura des dégustations de diététiques, il y aura de la. On pourra prendre son goûter là, manger. Et puis il y aura là. Comme un bar, soupe, enfin voilà, il y aura quand même des choses autour de ça où il va y avoir de la dégustation. Bon quoi. Ok, très bien. Voilà. Merci Joachim pour je cet crois échange. Que j'ai fait le tour, j'espère que je n'ai oublié personne. Est-ce qu'il y a un numéro de téléphone où alors, on peut avoir les renseignements c'est quand le 60 40 92 en 06 96, et puis sinon ben Jam Do Over, il y a la page Facebook, Instagram, vous pouvez laisser des messages en privé, donc ou venir sur place directement prendre sa place et les billets sont disponibles sur Moneypass et Bizouk. Voilà. Très bien, donc rendez-vous le 11 novembre. Voilà. Merci beaucoup très pour bien. Cet échange. Merci, c'est moi qui te remercie. Et surtout nous sommes en partenariat avec Zitata TV. Tout à fait. Faut pas oublier lui. Merci aux Itata de nous avoir suivis. J'espère que cette émission vous a plu. On vous laisse avec un petit extrait de Jazz en Battle. Et puis on se dit à très bientôt sur un autre Coûté ça.